Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici c'est Tendrophone et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo unboxing. Alors comme vous le voyez aujourd'hui je suis debout parce que j'ai quelque chose d'assez grand à vous montrer. Oui c'est très grand, vous voyez, ça prend toute la place de l'air. Oui. Donc on va pas tarder, déjà je vais chercher mon couteau. Il est là, c'est bon, j'ai retrouvé. Alors, tout d'abord on va gentiment, ce couteau ne coupe pas. Maintenant, on va gentiment attendez, j'ouvre ça tranquille. Hop là. Ok, voilà. Oui, donc je suis assez loin aujourd'hui dans mon micro, donc je suis désolé si vous entendez pas très bien. Une jolie petite sacoche. Voilà. On l'ouvre et on la dépose. Et là, vous êtes en train de vous demander, mais qu'est-ce que c'est ? Et je vais vous répondre. Alors, on va tout d'abord faire quelque chose. Hop là. Oui, cet unboxing est fait à la va-vite. Voilà. La chaise du bureau va enfin servir. Donc du coup, on ouvre ceci. Ah, je peux vous dire que ça fait super longtemps que j'attends ça, parce que j'en avais besoin depuis très longtemps. Mais j'ai jamais pris le temps d'en acheter. Et là, vu que j'en avais besoin pour un projet, bah je les ai achetés. Je vous promets, c'est pas pour YouTube le projet, sauf si peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est pour mon école. Donc voilà, c'est un projet pour ma classe. Donc un projet de fin d'année. Voilà. Petit bruit dégueulasse des familles. Là, vous ne voyez rien. Vous êtes en train de vous dire, mais il soude ma gueule, et totalement. Alors, du coup, ici, on a une première chose. Vous êtes toujours en droit de vous poser la question, mais qu'est-ce qu'est cette chose ? Vous êtes en droit de vous la poser. Alors, on va tout simplement trouver l'entrée déjà, ce serait déjà bien. Alors, on déballera ça dans un deuxième temps. Donc du coup, vous allez tout de suite savoir ce que c'est quand je vais ouvrir ceci. Hop là, alors là vous allez tout de suite, mais je vous promets, dès que je vais vous montrer ce que c'est, parce que là vous pouvez déjà vous demander, mais vous pouvez déjà vous dire ce que c'est. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, ceci est une ampoule. Elle fait littéralement... Voilà, la taille de ma main. Elle est même plus grande. Voilà. C'est littéralement gigantesque. Donc on va tranquillement la remettre. Parce que ces ampoules coûtent environ 1 milliard d'euros. Donc on va tranquillement les remettre dans leur petit emballage. Que bien sûr je ne perdrai jamais. Parce que voilà, si jamais je dois transporter, je suis obligé de les garder. Alors aussi, petite chose. Je trouve pas cette chose. Je ne la trouve pas. Bon, tant pis. On va faire ceci. Voilà. Non, je suis moche. On va faire ceci. Voilà. Voilà. Comme ça, mes cheveux tiennent. Donc ensuite, on va prendre un autre petit carton. Voilà. Et on va l'ouvrir. Bon, c'est le même. Alors, donc en gros, si vous êtes intelligent, qu'est-ce que c'est si vous avez suivi ? Une ampoule. Voilà, c'est parfait. Vous suivez. Je suis content de vous. Donc, du coup, je viens de me rendre compte qu'on devait peut-être faire une petite ellipse. Allez, à tout de suite. L'ellipse est maintenant terminée, on va pouvoir reprendre. Je suis désolé au niveau du bug de démarrage, c'est pas de ma faute. J'espère que ça se verra pas à la vidéo si j'arrive à régler ça. Alors, donc du coup, si vous aviez suivi la deuxième partie, ça c'était quoi ? La première, pardon, ça c'était quoi ? Une... Ampoule, c'est bien, vous suivez. Je vois que vous suivez. Vous êtes intelligent, messieurs. Ensuite, ceci, qu'est-ce que ça peut bien donc être ? Bah moi non plus, ça, je suis en train de me demander. Je sais même pas ce que c'est. Bon, mon couteau. Mais je perds tout dans cette vidéo. Je tremble. Voilà, c'est bien, c'est ouvert. Qu'est-ce que c'est que ceci ? Oh ! Mais c'est un pied, mesdames. Bon, alors pour vous montrer plus ou moins. Déjà, je tiens un couteau comme si jamais j'allais vous poignarder, c'est pas grave, on va déposer ceci. Pour vous dire plus ou moins, au départ j'étais censé. Voilà, au départ j'étais censé avoir ceci sur ma caméra, donc je vais vous le mettre. Gentiment vous le mettre. Voilà. Mais vous voyez totalement flou, mais c'était beaucoup plus grand, c'était un plus grand angle, mais vous voyez flou. Donc du coup, je vous l'enlève, voilà, c'était ceci de base. C'est un grand angle qui est fait pour téléphone, bien vu la bug. Donc du coup, on va enlever à pied. Ok, voilà, donc c'est un pied, donc ça on en a rien à foutre. Donc ceci est un pied. Ouh, cet objet sexuel. Oh non, je déconne, allez c'est parti, on enlève ça, salut. Donc ceci est un pied, donc ceci
C'est un autre pied, c'est bien, tu suis. Donc du coup, tu dégages la chaise. Allez, allez, dégage. Donc du coup, le pied. Là, le pied. On va le déposer au sol. Hein. Voilà. Et ben voilà. Oula. Je ne sens pas, mon petit. Ne sens pas que ce que tu fais. Ok, donc déjà ça, parfait. C'est nickel chrome, comme on pourrait dire. Je vais prendre un truc comme ceci. On va gentiment ouvrir. On a ceci. Et on a ceci. Oh, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, on va tout simplement, donc, je vous montre, dévisser ici pour le mettre droit et pour le... Tu dévisses sans parler, hein. Voilà. Bon, ça, c'est fait. Alors ensuite, on va tranquillement dévisser ça. Oui, je suis sexy comme ça, j'ai un softbox sur la tête. Allez, vas-y, rentre dedans. Hop là. Donc jusque-là, ça pénètre tout à fait facilement. Ok. Donc, voici, voilà. Ok, ouf. Attends, tu peux pas un tout petit peu descendre. Voilà. Voici. Alors, on va t'ouvrir, mon petit. Par contre, oui, je vais faire un truc. Ah. Ok, donc c'est tout con. Ouf. Ah. Ouais. Voilà. C'est comme ça en fait, c'est un truc qu'il faut pousser et ça va tendre le truc. Donc on prend ceci, donc ce sont des ampoules faites pour, hein, qui ont d'ailleurs, je sais pas si vous voyez, mais des trous là, elles ont des trous. Et voilà, et elles ont une aération là aussi. C'est des ampoules qui chauffent donc très fort, bien jamais. Alors on va tranquillement la visser. Voilà. Ok, ça a l'air de tenir. Jusque-là, c'est parfait. On va aller maintenant le brancher. Donc là, je branche. Bon, vous ne me voyez pas, mais je branche. Voilà. Ah si, vous me voyez encore. Hey, salut! Tu me vois? Ensuite, nous allons prendre... Donc, ceci. Hein. Jusque-là, je pense que vous avez déjà deviné ce que c'est. Et là, c'est quoi? C'est un truc pour faire du pique-nique, voilà. Donc là, en fait, vous allez au pique-nique avec ça, et c'est tout con, ben vous pouvez manger dessus. C'est totalement faux. Alors, bon, vous voyez pas, je vais essayer de vous montrer un petit peu, voilà. Donc ça, ça va être super simple, il n'y a pas de scratch, ah si, si, il y a quand même des scratchs là. Donc il y a des scratchs sur les deux côtés là, voilà. Donc du coup, on va tout simplement les mettre au quoi, voilà. Hein, comme s'ils étaient punis. Lui, là, on va aussi au-dessus, et ici, aussi, voilà, hein, d'accord. Jusque-là, tout est bon, voilà, là... On scratch là et on scratch de l'autre côté. Et c'est là que maintenant je vais monter au ciel. Parce que sinon je vais gentiment vous éblouir. Bah entendons, éblouissons-nous. Et voilà, c'est magnifique. Vous ne me voyez absolument plus. Salut, je suis ici. Bon, donc du coup, voilà, du coup la lumière revêt. Et on monte. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'avais pas montré, mais il y a des scratchs aussi en dessous. En fait, donc il doit en avoir au-dessus aussi. Et il y en avait bien aussi au-dessus. Voilà. Donc du coup, on allume. Et là, du coup, là, je reviens sur ma vidéo. On est déjà de type moins clair. Parce que du coup, le softbox est clair derrière moi. Donc ce qui fait de la merde. Mais en vrai, le softbox va être placé d'un côté où l'on va pouvoir m'éclairer. Donc le softbox va petit à petit s'éclairer de plus en plus, de mieux en mieux. Donc ça va être parfait. Alors, je vais placer tout ça et je vous retrouve tout à fait, tout de suite, après. Allez, à tout de suite. Voilà, donc là pour vous expliquer, je suis que allumé de ce côté. Voilà, donc c'est normal que de ce côté-ci, je n'ai pas de lampe. Parce que le softbox 2 est toujours dans son emballage. Je vous explique pourquoi j'en ai allumé qu'un. Parce que de 1, si vous regardez de ce côté-ci, j'ai un mur, il n'y a pas besoin de bouger la caméra. J'ai un mur, donc ça ne sert strictement à rien de l'allumer, voilà, ça ne sert strictement à rien. Et puis, j'ai postionné, mais c'est pas grave. Alors, jusqu'il y a 2 minutes, je m'éclairais avec un spot de chantier. Et je peux vous jurer qu'un spot de chantier, c'est impossible à le garder dans sa face. C'est-à-dire que cela, je peux le regarder, voilà, ça m'éblouit un petit peu, mais pas beaucoup. Tandis que quand j'étais avec ce spot de chantier-là, mais je peux vous jurer que je voyais l'heure, je voyais littéralement rien.
Alors là, vous êtes en train de vous dire, mais Endorphone, depuis le début, c'est bien, tu nous marmonnes avec ces softbox qui sont géniales, c'est cool, mais c'est quoi le prix? Eh ben le prix, ne t'inquiète pas, Jamy, il est écrit juste ici. Et oui, mon ami, seulement à 68 ou 69 euros, donc c'est-à-dire plus ou moins un prix de 70 euros. Deux softbox pour 70 euros, ce n'est rien du tout. Sur Amazon, il faut savoir que c'est très, très compliqué. Attendez, je vais vous dire exactement le prix. 67 euros, bon vous le voyez pas, ça coûte 67,99 euros. Oui, je dis centimes parce que je suis un gros con et que les Belges diront le cents, mon ami, le cents. Moi je dis centimes, je préfère dire centimes, c'est bien plus logique. Bon, donc du coup, vous pouvez déjà voir comment c'est clair, c'est nickel. Voilà, je pense avoir tout dit sur cette vidéo, je pense vous avoir montré comment le monter, c'est super simple à monter. Il y a vraiment rien d'autre à dire sur cette vidéo, ça va être genre une vidéo qui va faire 5 minutes à tout casser. Mais voilà, je voulais vraiment vous le montrer, vous prouver. Et franchement, ouais, ça chauffe un tout petit peu, mais comparé au spot de chantier, ça chauffe nada. J'avais un fond vert à l'époque qui était placé ici. D'ailleurs, il est toujours placé ici. D'ailleurs, ça sert à serrer la barre là-dessus. En fait, là, j'ai l'impression d'un toucher alors que je suis plus ou moins à 1 mètre de la barre. Mais mon fond vert est accroché là. Voilà, donc du coup, je pourrais utiliser maintenant mon fond vert. D'ailleurs, regardez. Attention, si je fais ça, pouf, Marseille dans le fond vert, pouf, Paris dans le fond vert, bon voilà. Je pourrais enfin utiliser le fond vert à bon escient, ce qui sera vraiment génial. Voilà, c'est tout. Donc du coup, je vais déposer ça là, tu es gentil, tu ne bouges pas. Et sur ce, je pense avoir tout dit. Sur ce, moi je vous dis bye bye, à la prochaine, merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye les amis. Et n'hésitez pas à lâcher un petit like et un petit commentaire.